Retour en France à présent, où deux zones sont désormais en vacances, les zones B et C, l'occasion pour les plus chanceux de rejoindre les stations de ski. Et justement, je vous propose de découvrir une activité originale qui saura sans doute séduire les petits et les grands, le mushing, la conduite de chiens de traîneau, avec des traîneaux spécialement conçus pour les enfants. Sensations fortes et émerveillement garantis. Reportage à Font-Romeu dans les Pyrénées, signé Jérôme Régali et Pauline Even. C'est bientôt le grand départ pour Bounty, Platoun ou encore Ronchon. Toujours en train de ronronner, mais oui. Cela fait 20 ans que François initie petits et grands à la technique du mushing, la conduite des chiens de traîneau. C'est tous des Alaskanuski, c'est des croisements pour avoir des chiens un peu plus performants, plus obéissants, très dociles. Les enfants viennent à peine d'arriver et déjà les premières complicités. Oui, hein. Oui, j'aime la boule. Il aime les cas là aussi. Une fois les présentations faites, allez, tu mets ça dans la boucle. Il faut apprendre à mettre le harnais. Avec les moufles, c'est pas facile. Deuxième étape pour ces mûcheurs en herbe, l'attelage. Allez, Yervi, c'est le plus intelligent. C'est le chien de tête. Suivant le poids qu'ils font, on leur met un ou deux chiens. Voilà. Ces traîneaux, c'est François lui-même qui les a conçus il y a 3 ans. Un modèle quasi identique à celui des adultes, à quelques détails près. Plus étroit, un peu moins haut. On a simplifié aussi le système de freinage, où voilà, il n'y a qu'un seul frein, alors que sur les autres, il y a 2 freins. Freinage, dérapage. On fléchit, on se penche à gauche, très bien. Une fois les consignes bien mémorisées. Si on va à droite, tout le poids à droite. Et en montée, il faut patiner pour aider les chiens. C'est parti pour une balade au milieu des sapins. Allez. Pas toujours facile au début de contrôler son traîneau. Attention, pas vous gêner. Freine. Et après 2 heures intenses de glisse, c'est l'émerveillement. Les chiens, ils sont trop mignons, j'adore les caresser. Il y avait un chien, là, il m'a léché le nez. Ah, au début, ça fait bizarre, oui. Les dérapages, ça fait bizarre. Ouais, ça va vite. Comptez 40 euros pour devenir mini-musher le temps d'une journée. Le prix à payer pour caresser ces rois des neiges.